Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo Apprendre le hockey 5, soit ouvrir le jeu. Alors euh, ici, pourquoi est-ce qu'on veut ouvrir le jeu? Ben dans le fond, si tu n'as pas un jeu ouvert, tu as un jeu qui est euh, en espace restreint. Et lorsqu'on effectue des jeux en espace restreint, ben on a souvent beaucoup de joueurs à déjouer. Et si on a beaucoup de joueurs à déjouer, ben ça veut dire qu'il y a peu de chances qu'on réussisse à déjouer tous ces joueurs. Plus tu affrontes de joueurs, plus c'est difficile de te rendre au but, marquer un but, donc moins tu as chances de réussir. Et euh, si tu n'as pas de chance de réussir, si tu as moins de chances de réussir, bien, ça va souvent donner des revirements. Donc à ce moment-là, euh, le jeu en espace restreint, c'est un jeu qui est risqué. Pas tout le temps, mais généralement, il y a plus de risques à affronter plein de joueurs. Donc c'est important d'ouvrir le jeu. Je vais vous montrer comment ouvrir le jeu et pourquoi c'est important euh, en faisant des simulations euh, de jeux qu'on voit dans tous les matchs de hockey depuis le début de la saison. Alors, voici un premier jeu. Donc ici, on a euh, nos cinq joueurs de notre équipe, les cinq joueurs adverses qui sont euh, des X. Ici, la rondelle se ramasse dans le coin et tous les joueurs vont se déplacer euh, selon leur rôle. Fait qu'on voit euh, l'ailier qui est du côté de la rondelle, qui est allé chercher la rondelle. Le centre qui se passe en support, le défenseur qui bloque la, la bande, l'autre défenseur qui est en appui et euh, l'ailier opposé qui est devant le but pour pré recevoir une rondelle. On a vu le défenseur de l'équipe adverse se diriger dans le coin, le centre mettre en support, l'ailier bloquer la rondelle et à recevoir une passe si le défenseur gagne sa confrontation l'autre défenseur devant lui et l'autre ailier prêt à recevoir une passe pour quitter la zone. Donc, si tout le monde s'est placé selon leur rôle, leur responsabilité dans leur territoire. Donc, si, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, on va dire que l'ailier réussit à prendre la rondelle et faire une passe au centre. Ça arrive régulièrement. Et là, le centre, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, généralement, dans la grande majorité des matchs, le centre va vouloir prendre la rondelle, se diriger vers le but pour prendre un tir au but, malgré la présence de plein de joueurs autour de lui. Et là, qu'est-ce que ça va donner Bien, En patinant avec la rondelle, les quatre joueurs vont aller sur lui parce qu'il se dirige vers la zone dangereuse et il va devoir déjouer quatre joueurs. Mettons, il a besoin de déjouer trois joueurs, euh, deux, en tout cas. On voit qu'il y a plein de joueurs à déjouer. C'est difficile. Il va avoir plein de bâtons. Il risque de perdre son tir, son tir d'être dévié. Et le pire qui va arriver, bien, il va se faire enlever la rondelle. Puis ils vont partir euh, vers notre zone. Donc c'est un jeu qui est risqué, qui est dangereux. Donc on ne veut pas faire ça. Ici, si, même situation, on recommence et là on va vouloir ouvrir le jeu. Le centre a reçu la rondelle. Qu'est-ce qu'il va faire Il veut ouvrir le jeu. Il y a plein de joueurs autour de lui. Il l'envoie à un joueur qui est présentement libre, le défenseur. Le défenseur vient de recevoir la passe. Et là, le reste du jeu va dépendre de si l'ailier qui est le plus haut, qui est ici, est intelligent. S'il comprend le jeu, mais il va se diriger vers le défenseur qui est au centre de la glace pour couper l'option de passe. Mais généralement, ce défense, cet ailier Va euh, penser qu'il est le plus proche de la rondelle et il va essayer de mettre de la pression sur le porteur de la rondelle et il va oublier l'autre défenseur, généralement. Si jamais il se dirige vers notre défenseur pour couper la passe, bien là, ici, celui qui a la rondelle peut tout simplement tirer au but et on voit qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'obstacles. Ce ne sera pas nécessairement un tir menaçant, mais dès qu'il y a un tir au but, on ne sait jamais ce qui peut se passer et on a un joueur qui est devant le but pour prendre un retour si nécessaire. Mais, Disons que euh, le joueur, l'allié euh, au centre de la glace, veut aller enlever la rondelle au défenseur. Voici ce qui va se passer. Donc, si euh, le défenseur va envoyer la rondelle à l'autre défenseur, qui va s'avancer pour, euh, pour ouvrir le jeu. En se déplaçant vers la droite, il force tout le monde à se déplacer. Et là, on voit qu'il y a moins de joueurs qui sont euh, regroupés en pain. Et il y a moins de joueurs sur le porteur de la rondelle. Autre petite chose qu'il faut remarquer, le défenseur de gauche, après avoir fait sa passe, est revenu un peu vers la ligne bleue, vers le centre, pour couvrir son autre défenseur. Donc, si jamais le jeu du défenseur qui a la rondelle échoue, se fait intercepter, bondit sur une pad, eh bien, il est couvert par son autre défenseur qui est prêt à effectuer un jeu défensif. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, notre défenseur qui a la rondelle présentement? Eh bien, là, il y a plusieurs jeux qui sont ouverts, et là, c'est la créativité, puis c'est le chaos euh, dans le hockey qui va arriver, et peut-être un but. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais il peut prendre un tir au but vers le gardien de but. Il y a un joueur qui est devant lui, hein, c'est le défenseur qui a vu la menace, qui s'est dirigé vers lui, et euh, il pourrait peut-être pogner une panne, pogner un bâton, puis la rondelle pourrait dévier. Ou il pourrait peut-être attendre la cible. Sinon, le jeu le plus sécuritaire, c'est de faire une passe à l'ailier euh, droit qui s'est tassé un petit peu du but pour être en réception de passe. Et là, cet ailier peut faire plein de choses. Il peut l'envoyer au gardien de but. Là, il peut essayer de faire un tir au but et essayer de le déjouer. Il est très bien placé puis il n'y a pas de pression sur lui. Le jeu a été ouvert. Sinon, qu'est-ce qu'il peut faire bien, On voit le centre qui arrive avec beaucoup de vitesse. Et s'il arrive à se démarquer, bien, il pourrait faire une passe au centre. Qui va être en plein milieu de l'enclave, un très bon tir vers euh, le gardien de but. Et au pire, si le défenseur qui sort du coin ignore, oublie l'ailier et se dirige pour couper le, le centre, ben, l'ailier pourrait faire une passe à l'autre ailier. Et là, le goaler, faut il faut qu'il fasse un déplacement incroyable pour bloquer cette rondelle. C'est une très, très bonne chance de marquer. qu'on voit ici qu'en ouvrant le jeu, eh bien, les joueurs se sont déplacés, euh, l'espace entre les joueurs s'est ouvert, l'enclave s'est libérée et c'est plus facile de faire un but. Allons voir une autre facette. Euh, ici, on parle d'une entrée de zone. Fait tantôt, j'avais, euh, dans l'autre vidéo que je vous ai présentée, quand on parlait du triangle offensif, on avait juste un défenseur. Là, j'ai mis deux défenseurs plus un joueur en repli. Donc, ici, euh, on a un jeu classique, et souvent, le porteur de la rondelle, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Ben, il va essayer de couper entre les deux défenseurs pour aller vers le but en ligne droite. Ça, c'est un jeu classique. Le, le joueur qui a la rondelle part du côté de la bande et se dirige vers le centre pour essayer d'atteindre le but. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les trois joueurs entourent le... le le porteur de la rondelle, il doit déjouer trois joueurs, il y a de la pression en arrière de lui, il risque de perdre la rondelle. C'est un jeu très, très, très risqué. Et que ça, ici, c'est comme le pire jeu que tu peux faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de chances de réussite et tu as de grandes chances de perdre la rondelle. Et si tu es ralenti suffisamment, bien, il pourrait même arriver un hors-jeu si les liés opposés rentrent trop vite. Donc c'est un jeu qui est dangereux et qui euh, n'a pas de grand chance de réussir. Donc si... Qu'est-ce qui serait le mieux à faire? Bien, le mieux à faire, ça serait de faire la passe à l'autre allié. Et là, à ce moment-là, la rondelle s'est déplacée. Bien, les joueurs, ils vont agir en joueur et ils vont essayer d'aller sur la rondelle. C'est rare que les joueurs opposés, ils sont capables de, de faire la part des choses puis de diviser. Souvent, ils sont omnubilés par la rondelle et ils vont tous se diriger vers la rondelle. Donc, à ce moment-là, euh, le joueur, l'élite opposé qui vient de recevoir la passe, il faut qu'il comprenne quelque chose de super important. Le côté gauche à l'écran présentement, il est vide. Il n'y a personne dedans. Fait que son travail, c'est de déborder le défenseur par le côté gauche, d'ouvrir le jeu par le côté gauche. Si le joueur qui vient de recevoir la passe, décide de foncer sur le défenseur ou de couper entre les deux défenseurs, ben on vient de refermer le jeu, on se ramasse en espace restreint, puis on est rendu à la même place que tantôt. Avec lui, il comprend qu'il doit absolument contourner le défenseur par la gauche pour prendre de la vitesse, prendre de l'espace et ouvrir le jeu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les joueurs adverses vont se diriger vers le porteur de la rondelle, et mes autres joueurs vont pénétrer dans la zone. Et là ici, on a vu le jeu s'agrandir, l'espace entre les joueurs s'agrandir, et il y a plein d'options qui s'ouvrent. Donc si mon joueur qui a présentement la rondelle est un bon patineur, bien, ici il peut continuer à patiner vite avec vitesse, contourner le défenseur qui va être probablement en train d'essayer de faire un pivot parce que euh, à reculons, il ne sera pas assez rapide. Donc, c'est le bon moment de le déborder, de le contourner par l'extérieur et ensuite de revenir vers le but. On voit aussi le joueur qui avait la rondelle qui est maintenant rendu tout seul. Hein, il a débordé un petit peu vers la droite pour ne pas effectuer un, euh, un arrêt de jeu, hein, de ne pas rentrer avant la rondelle dans la zone. Donc, on ne voulait pas faire de hors-jeu. Donc, il a attendu un petit peu puis il vient de rentrer dans la zone. Et là, il va prendre la vitesse, mais il est tout seul de son côté. Donc, à ce moment-là, le joueur qui a la rondelle peut essayer de la lober entre les deux défenseurs à son, à son coéquipier qui va maintenant être tout seul affilé vers le but de son côté parce que les, toutes les trois joueurs sont dos à lui. Donc, ici, c'est un très bon jeu qu'il pourrait faire. Un peu plus risqué, qui demande un peu plus d'habileté, mais ça peut se faire. Donc, ici, on a fait une passe on a ouvert le jeu vers l'extérieur. Et on voit l'espace qui s'ouvre entre les joueurs adverses, et c'est plus facile faire des jeux et atteindre le but. Un autre jeu qu'on va voir, un jeu en zone neutre. Des fois, la zone neutre, c'est difficile à traverser. On se ramasse qu'il y a deux joueurs, c'est le bord de la bande, qui se battent avec deux autres joueurs, et là, qui se battent, qui ont une confrontation avec deux autres joueurs pour traverser la rondelle. Et là, le centre récupère la rondelle, généralement. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien, le centre va essayer de foncer vers le but. Hein? On fait un jeu nord-sud très très simple et on se dirige vers le but. Qu'est-ce qu'il fait? Il patine vers le but en essayant de contourner les joueurs et là il se ramasse, parce il est entouré de quatre joueurs et les chances de réussir à déjouer quatre joueurs ne sont pas très très bonnes. Fait que ça ici, c'est un jeu en espace restreint. Les joueurs adverses ont fermé l'espace qu'il y avait. Et là, il se ramasse avec huit patins, quatre bâtons, quatre corps qu'il a à traverser, c'est difficile, c'est pas recommandé. Ce qu'on veut, c'est ouvrir le jeu, ouvrir l'espace disponible. Donc, si le bon jeu à faire, il fait la passe au défenseur. Mais ici, dès qu'il fait la passe au défenseur, il y a un joueur qui doit être allumé, qui doit être sûr et certain de son rôle, et c'est les liens opposés. Donc, les lieux opposés étaient en position de récupération de rondelle. Et bien là, il doit comprendre, dès qu'il voit le défenseur recevoir la passe, si le défenseur qui a la rondelle présentement, là, il repousse la rondelle le long de la bande par la gauche, la rondelle revient dans le même point, puis la situation ne progresse pas. Donc, ce qu'on veut, c'est déplacer la rondelle de l'autre côté. Donc, il faut que le joueur qui est là, qui est au centre, les lieux opposés, se déplace rapidement... Vers la bande opposée pour pouvoir recevoir la passe. Et aussi, quand il fait ce mouvement-là, il doit toujours être en train de regarder la rondelle pour être prêt à recevoir la passe. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Le défenseur qui a la rondelle passe à l'autre défenseur qui va s'avancer un petit peu et effectuer une passe à son ailier qui a maintenant de la vitesse. Voici ce qui se passe. On fait la passe, on se déplace un peu et on envoie la rondelle. Donc, si les trois Attaquants de l'autre équipe ont effectué de la pression vers nos défenseurs hein, selon leur position. L'ailier qui était à gauche pour l'autre équipe a attaqué notre défenseur droit. Le centre qui était le plus proche euh, du défenseur qui a reçu la rondelle a attaqué le défenseur qui a reçu la rondelle. Et euh, le joueur qui était pris, bien, il a dû attendre un petit peu euh, que l'espace s'ouvre pour pouvoir quitter la bande. Et donc, le jeu s'est ouvert. Le centre a réussi à se, à se diriger vers le centre. Il est quand même en position de repli défensif si nécessaire. Et euh, l'ailier droit Et maintenant avec de la vitesse. Il vient de recevoir la rondelle. Le défenseur adverse est quand même loin. Il y a un corridor complètement libre. L'objectif, c'est qu'il continue à patiner vers la droite. En passant, en débordant le défenseur adverse, et il va avoir une bonne chance de marquer. L'ailier gauche pousse vers la, vers la zone et le centre va pousser vers la droite pour essayer d'appuyer son ailier. Donc ici, on vient d'ouvrir le jeu et on a euh, créé, dans le fond, peut-être une occasion de marquer. Donc, le défenseur, pas le défenseur, l'ailier droit pousse vers la zone le plus vite possible. On a la même situation, mais cette fois-ci dans notre zone défensive. Et ça, ça arrive souvent. On essaye de sortir la rondelle par la bande et l'autre équipe va mettre trois joueurs collés sur la bande pour bloquer la bande et empêcher la rondelle de sortir. Fait que là, j'ai mon ailier gauche avec le centre qui essaye de sortir la rondelle, mais le défenseur, l'ailier et le centre font un bon travail pour bloquer complètement la bande et c'est impossible de sortir. C'est arrivé souvent que l'ailier, que qui a la pas l'ailier, mais le centre ici à l'écran, qui obtient la rondelle, essaie de euh, couper, déborder les joueurs. Et là, il sera fait juste se rapprocher de la zone dangereuse, de l'enclave. Et il se ramasse avec plein de joueurs, plein de patins. Euh, son ailier qui est avec lui n'a pas de vitesse. Euh, C'est une situation qui est dangereuse, puis tu ne veux vraiment pas faire ce genre de jeu-là. Euh, Peut-être qu'il aurait pu aussi faire une passe euh, à l'ailier, mais à ce moment-là, s'il fait une passe à l'ailier, eh bien, euh, celui-ci n'a pas de vitesse, il est proche de l'enclave, C'est un jeu un peu meilleur, mais c'est quand même dangereux. Le jeu le plus sécuritaire, hein, parce que l'ailier qui vient de recevoir la passe a trois joueurs qui peuvent intercepter la passe, qui peuvent harponner la rondelle et qui peuvent récupérer proche de l'enclave la rondelle. Eh bien, le jeu le plus sécuritaire, c'est de l'envoyer au défenseur. Et là, le défenseur, il ne faut pas qu'il prenne la rondelle et qu'il repousse le long de la bande à gauche. On va revenir à la même situation. Hein, il y a trois joueurs adverses qui bloquent la bande. Ce n'est pas le bon jeu. Par contre, on voit que le côté faible, le côté droit de la glace, est complètement vide. Donc, si on veut ouvrir le jeu en déplaçant la rondelle, du côté faible. On veut le faire avec rapidité. Fait que ici, qu'est-ce qui va se passer? Mon défenseur connaît ses stratégies de sortie de zone et il va appeler la stratégie à faire. Il va dire la passe. Hein? Il va appeler la passe. Donc à ce moment-là, il part. Il envoie la rondelle sur la bande qui est captée par son autre défenseur qui la pousse vers l'attaquant. Et là, à ce moment-là, le jeu est complètement ouvert. On a vu le euh, joueur d'avant qui était proche du but foncer vers le porteur de la rondelle, mais il n'a pas été assez rapide pour intercepter la passe qui s'est rendue de l'autre côté. On a vu le centre et l'ailier de l'autre équipe qui se sont déplacés vers notre but, vers l'enclave, mais en bout de ligne, ils sont euh, en tentative de pression, mais ils sont beaucoup trop loin. Et euh, l'ailier en fonçant vers notre territoire, notre ailier droit. Eh bien, se détache du défenseur qui est obligé de faire un repli. Et une fois qu'il a capté la rondelle, bien, il la capte avec beaucoup de vitesse parce qu'il vient de patiner sur un tiers de glace. Donc à ce moment-là, il peut tout simplement partir et filer vers euh, la zone adverse. Si jamais euh, le défenseur effectue beaucoup de pression sur notre allié, il peut l'envoyer à l'autre allié qui arrive lui aussi avec beaucoup de vitesse et celui-ci peut sortir. Donc ici, pourquoi on veut ouvrir le jeu? Hein, pourquoi faire ça? Bien, premièrement, ça nous permet de garder le contrôle de la rondelle. On s'assure que la rondelle s'en va à un joueur qui euh, a peu de pression des autres joueurs adverses et qui va donc pouvoir maîtriser la rondelle et effectuer un bon jeu. Ensuite, ça permet d'offrir plusieurs jeux différents. Ça fait qu'on est imprévisible parce qu'on ne va pas tout le temps aller en ligne droite vers le but. Hein, si une équipe fait tout le temps la même chose, j'ai la rondelle, je en vais en ligne droite vers le but et je ne fais pas de passe, c'est facile à bloquer. Mais si l'équipe adverse joue en équipe, si ton équipe joue et les joueurs se font des passes, les joueurs se déplacent, les joueurs ouvrent le jeu, ben, tu as plusieurs jeux qui sont possibles et on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils vont faire. Et donc, comment les contrer facilement. Et si on a plusieurs jeux différents à faire, on peut aussi diminuer les confrontations. Si tu es tout seul, tu essa essaies de passer à travers trois joueurs, tu vas faire trois confrontations et tu as moins de chances de réussir. Si on est capable de faire plusieurs passes et qu'en faisant ces passes-là, on n'a pas de confrontation, on n'a pas de déjoue à faire, ben à ce moment-là, on peut plus longtemps garder le contrôle de la rondelle et on augmente nos chances de réussite. Soit de faire un tir au but, soit de faire un but, soit de sortir la rondelle de notre zone, soit de la transporter dans la zone adverse. Donc, ici, on diminue les confrontations et on augmente nos chances de réussir ce qu'on voulait faire avec la rondelle. Donc, ici, c'est important d'ouvrir le jeu, se donner de l'espace, se donner du temps, patiner avec vitesse. Et avec tout ça, bien, si, vous avez, si vous avez écouté la vidéo attentivement, si vous avez compris l'essence du message, Hein, ce n'est pas des jeux préprogrammés qu'on veut faire. On veut comprendre c'est quoi ouvrir le jeu et qu'est-ce qu'on doit faire, comment qu'on doit se déplacer. Et bien, si vous avez compris ça, puis vous l'appliquez au prochain match, je suis sûr que vous allez avoir un bon match. Sur ce, à plus la gang, bon match.